السيشن في الوقت الحالي برضه سيشن رح تكون انتراكتيف، سيشن ممتعه، رح نتعرف على قطاع جدا مهم هو قطاع المال والاعمال، وليعطينا فكره اكثر عن هذا القطاع بشرفني انه ارحب بالتجاري وفا بنك والاستاذه منى القادري اللي رح تكون موجوده معنا ممثل عن التجاري وفا بنك وتاخذنا برحله لنتعرف على هذا القطاع ونتعرف على the opportunities available للشباب العربي بقطاع المال والأعمال. أستاذة منى مرحبا. أهلا وسهلا. كيف حالك؟ الحمد لله. I'm very glad to be here among you. It's a privilege for me to have the opportunity to share with you our world and what could be interesting for Arab youth. شكرا لك وشكرا للتجاري وفا بنك، وايضا هاي السيشن يعني عم نخصص فيها مساحه للشباب من المغرب العربي، حضرتك ايضا عم بتشاركينا حاليا من المغرب، فانا ما راح اتاخر عليكي و I will give the floor to you استاذه منى، بس بدي اطلب منك اذا في مجال ب يعني اشياء معينه برضه to mix between Arabic and French بكون ممنون لك. Thank you so much and all the best of luck. Thank you very much, Tamir. Again, I'm very glad. It's a privilege to be here among you on behalf of Tijari Wafa Bank, but also Injaz Al Maghrib, parce que je suis secrétaire générale. So I will maybe mix my presentation in French, Arabic, Moroccan Arabic, and English. And of course, if you don't understand, I remain at your disposal to try to facilitate our communication. But for me, the most important here in this exercise that I can really commit with this Arab youth and present them maybe new perspective. We are not already, it's not something we used to see. And maybe the COVID crisis will help us to see things in a new way and help this Arab youth to create their own opportunity, including inside the financial sector. Alors, je vais présenter, je vais exposer mon propos en deux grands temps. Le premier, c'est juste présenter qui on est, qui est le groupe Tijari Wafa Bank. Qu'est-ce qu'on fait exactement? Et le deuxième temps, c'est dans quelle mesure est-ce que ces jeunes peuvent prendre part à une aventure extraordinaire que nous sommes en train de vivre, parce que cette banque-là, ce groupe bancaire, ce n'est pas uniquement de la banque et de la finance, contrairement à ce qu'on peut penser, mais c'est aussi un groupe qui crée du sens et qui participe à un projet de société extraordinaire dont je vais vous parler tout à l'heure, qui est la dynamique intra-africaine. First of all, Tijari Wafa Bank is considered as a major player, pan-African player, at the service of the economic integration. Nous sommes un groupe de banques universelles, leader in Morocco, leader in North Africa, et quatrième en Afrique sur le continent par le total bilan. Nous sommes présents dans 25 pays, dont 16 pays en Afrique, avec plus de 10 millions de clients et plus de 20 000 collaborateurs. Donc c'est vous dire à quel point nous sommes un groupe multiculturel et nous disposons du premier réseau d'agences bancaires en Afrique avec plus de 5 000 agences et nous couvrons toutes les activités de banque, de finance et d'assurance. Donc ça va de l'activité bancaire classique aux activités de marché et à toutes les activités de crédit consommation, etc. Nous sommes également très engagés sur le plan de l'engagement citoyen dans l'éducation, notamment à travers Injaz Al Maghrib, et le soutien à l'entrepreneuriat. Donc, c'est un groupe qui génère également beaucoup d'efforts et d'engagement pour aider les jeunes à créer leurs propres entreprises. Ça aussi, ça peut être intéressant pour les jeunes dans leur perspective de création de leur propre avenir. C'est un groupe bancaire aussi qui représente la première capitalisation donc boursière au Maroc avec plus de 11 milliards de dollars au 31 décembre 2018. Et puis, nous avons également un modèle économique qui est très intéressant, qu'il est important de comprendre pour les jeunes.
c'est que nous sommes dans une stratégie de développement en Afrique où on a des participations, des prises de participation importantes, majoritaires la plupart du temps, dans chacune des banques que nous achetons. C'est important de comprendre ça parce que contrairement à d'autres modèles, ce modèle nous permet de mettre en réseau. We put into a network, and that's a keyword nowadays. Putting into a network are our banks. Donc, en mettant en réseau toutes nos banques, nous avons pu mettre en réseau toutes les communautés d'affaires qui travaillent avec chacune de ces banques. Et par conséquent, nous avons pu, à travers un certain nombre de systèmes, notamment le club Afrique Développement que je représente, créer des opportunités et des joint ventures, des investissements qui n'auraient pas peut-être existé si on n'avait pas mis en réseau ces banques-là. Ce qui m'amène à la partie un peu création de sens, j'aimerais insister sur cet aspect-là. C'est un groupe qui crée du sens et qui est complètement engagé dans la dynamique de coopération sud-sud, de création d'un véritable marché intra-africain. Et ça, c'est quelque chose de nouveau. Et ça, c'est quelque chose que les jeunes, aujourd'hui, peuvent s'approprier en termes de projet de société et même de projet de vie. Moi-même, sur une échelle de 10 ans, j'ai pu faire un cheminement extraordinaire, faire énormément de rencontres à l'échelle du continent, en Afrique du Nord, mais aussi en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, et puis construire un chemin où j'ai pu voir les choses autrement plutôt que des choses orientées vers le Nord, orientées vers l'Europe, orientées vers des standards qu'on a l'habitude de consommer. Ce groupe s'est engagé dans cette dynamique dans un cadre plus global de coopération sud-sud, impulsé par le Maroc, qui est très engagé dans cette logique. Puisque nous avons une stratégie politique pilotée par le chef de l'État très importante d'engagement à l'intérieur de l'Union africaine. Et c'était, nous avons enclenché le retour historique à la famille de l'Union africaine en janvier 2017. Et puis c'était un premier pas vers The Continental Free Trade Area, la zone de libre-échange continentale, qui est entrée en vigueur en janvier de cette année. Ça aussi, c'est un jalon historique important et qui peut complètement transformer la manière dont les jeunes peuvent appréhender les opportunités qu'ils ont, puisque c'est d'abord la plus grande zone de libre-échange continentale qui existe aujourd'hui dans le monde. Et puis, même s'il y a encore énormément d'obstacles entre les pays africains, dont les pays d'Afrique du Nord, c'est une autoroute d'opportunités qui s'ouvre pour les jeunes en termes de création d'entreprises, en termes de création de valeur et en termes de création de jobs. Donc j'invite les jeunes à vraiment se pencher sur cette zone de libre-échange et ce qu'elle peut leur apporter dans leur manière de designer leur carrière. Et puis, donc tous ces pas ont fait que les investissements privés marocains ont été le stock de FDI, de Foreign Direct Investment en Afrique, opéré par les entreprises marocaines, a été multiplié en 10 ans par plus de 7 fois, entre 2007 et 2017. Donc ce sont des statistiques officielles. Dans ce contexte-là, le groupe Atijari Wafa Bank, dont l'actionnaire de référence est un fonds d'investissement panafricain et qui est considéré comme l'un des plus grands fonds d'investissement à capitaux privés sur la scène africaine, qui est El Mada, et qui est doté d'une stratégie intra-africaine d'envergure. Et si vous dézoomez du Maroc, si vous allez voir du côté de l'Égypte, ou si vous allez voir du côté de la Tunisie, ou si vous allez voir du côté d'autres pays d'Afrique, vous allez voir qu'il y a une conjonction d'engagement à l'échelle des États, puis à l'échelle des entreprises, vers cette dynamique intra-africaine. Et je vous invite vraiment, où que vous soyez dans le monde aujourd'hui, à vous intéresser à cette dynamique, parce qu'elle recèle encore plus, après cette crise Covid, d'opportunités importantes. Nous sommes dans une conjoncture où les clés de lecture classiques ne sont plus forcément tout à fait valables.
Nous avons bien vu une Europe qui est en train de se cloisonner. Nous avons bien vu un enjeu, une réflexion sur les tensions sur les matières premières. Les matières premières qui émanent principalement d'Afrique, d'Asie et de zones comme les nôtres où nous opérons. Donc vraiment, je vous invite à vous pencher sur le sujet. Ce groupe Atijari Wafa Bank, dont l'actionnaire de référence est Almada, est donc engagé par des investissements impactants. Et qui dit investissement, dit création d'emplois. Création d'emplois sur tous les métiers. C'est-à-dire qu'en tant que banque universelle, aujourd'hui, nous avons vu nos métiers, que ce soit la communication, que ce soit le private banking, que ce soit le crédit consommation, que ce soit l'activité bancaire classique ou les assurances, tous les métiers ont développé cette dimension africaine. Tous, même en Europe, parce que nous avons une filiale à Atijari Wafa Bank Europe qui est dotée d'un passeport européen, qui est basée à Paris, qui aussi embarque avec elle sa clientèle, les entreprises européennes, vers cette dynamique-là, parce que c'est là où se trouvent les gisements d'opportunités. Donc, à travers cette dynamique qui a commencé entre à peu près vers 2007, nous avons aujourd'hui 16 banques dans 16 pays différents et le fait de les mettre en réseau a fait créer une dynamique qu'on appelle aujourd'hui Afrique Développement, qui a commencé par un forum. C'est un forum qui s'est tenu en 2 jours. Nous avons tenu la première édition en 2010 et l'idée c'était de réunir humblement, sans prétention, autour d'une même table, les clients, la clientèle qui travaillait avec chacune des 8 banques du groupe. À l'époque, nous étions présents dans 8 pays. Et puis, nous avons tout de suite constaté que les entreprises africaines de ces pays-là, pour peu qu'on les met dans un cadre fiable et dans des corridors fiabilisés, pouvaient travailler entre elles. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est ça qui est intéressant pour un jeune aujourd'hui, c'est que quelque chose de nouveau, une dynamique nouvelle s'est enclenchée. Une dynamique que nous n'avions pas vu venir. C'est une dynamique intra-africaine. Je vous assure que quand vous voyez une entreprise ivoirienne serrer la main à une entreprise sénégalaise ou importer de la tomate à une entreprise marocaine 5 fois moins chère qu'en Espagne parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle pouvait travailler avec elle malgré tous les obstacles, je vous assure qu'il se passe énormément de choses. Pour faire court, pour ne pas être très très longue, nous avons tenu aujourd'hui 6 éditions de ce qu'on appelle le Forum international Afrique Développement à Casablanca, où nous avons pu réunir plus de 10 000 entreprises de 40 pays du continent et des pays partenaires. Nous sommes inclusifs, que ce soit des pays de la zone MENA, des pays européens ou les pays d'Asie principalement. Et puis nous avons pu réaliser plus de 20 000 rendez-vous d'affaires structurés. C'est vous dire le niveau de demande aujourd'hui de connaissances. Donc, le deuxième message pour les jeunes, c'est développer de la connaissance fiabilisée. Aujourd'hui, la connaissance fiabilisée, c'est le nerf de la guerre. Quand j'ai de l'information fiable et que je partage de l'information fiable, je crée un système de confiance. Et quand je crée un système de confiance, je crée de la valeur et je peux travailler avec mon interlocuteur, que ce soit d'un point de vue salarié ou d'un point de vue entrepreneurial. Quelles sont les opportunités et comment se développer dans ce contexte? Évidemment, je pense que ça a dû être dit avant, le mot-clé aujourd'hui pour nous tous, c'est la flexibilité, l'adaptation, la capacité de comprendre les enjeux, ce qui se passe au moment M pour pouvoir avoir la bonne réaction. Par exemple, je vais être très, très pragmatique, à mon niveau, au niveau du Club Afrique Développement, nous avons vu les évolutions, un besoin d'un profil que nous avons dû designer, qui n'existe pas, qui ne sort pas des écoles classiques, qui est un profil qui mixe des capacités commerciales, des capacités digitales et des capacités économiques. Donc si l'un des jeunes qui nous entend pense répondre à ce besoin, je profite de cette opportunité pour lancer un appel à manifestation d'intérêt. Je serai à l'écoute pour étudier tous les CV. Donc voilà un peu dans l'ensemble ce que je voulais dire. Le plus important dans tout ça, c'est que nous sommes un groupe, ce qu'il faut retenir, qui crée du sens. Et pour un jeune,
En tout cas pour moi, pour ma part, pour les jeunes que je fréquente, c'est important de participer à un projet au-delà d'un travail classique. C'est important de se dire que dans mon cadre, dans mon entreprise, dans mon job, je fais partie d'un tout global qui voit naître quelque chose de nouveau. Et aujourd'hui, c'est le temps de l'Afrique, et le temps de l'Afrique par les Africains et par tous ceux qui ont envie de s'engager au profit de ce continent. Bon, je pense que je préfère interagir avec vous si vous avez des questions. Tamel, I remain at your disposal. I hope I was a bit clear, and of course, if you need more detail, I remain at your disposal. And thank you very much. I hope my presentation was clear, and I remain at your disposal if you have any more questions. Yeah, actually, we have a couple of questions. وفي إذا بتسمحي لي حتى أتناقش معك بالعربي حتى يوصل الأسئلة لأكبر عدد من الناس اللي برضو عم بيسألونا وعم بيتابعونا. في سؤال وصلنا على أبرز ثلاث وظائف متوفرة حاليا بقطاع المال والأعمال. من وجهة نظرك وكونك يعني تشتغلي أيضا في قطاع مصرفي وبنكي، إيش أكثر ثلاث وظائف مطلوبة في هذا القطاع؟ إذا بدنا نبلش بالوظيفة الأولى. Nowadays, it's a lot. IT skills are really we need a lot of IT skills, and the private banking also. Yes, sorry. So IT number one. Yes. And number two. Private banking. It depends on the market, of course, but more or less this. And the third one. The third one. I don't have the statistics, but I think that would be advisory banking. اوكي في وصلنا هلا دايركت مسج عم بيسالوك استاذه منى اذا بتقدري توضحي لنا اكثر what do you mean by private banking. Private banking is when you support and when you serve a private client for his own properties, own assets. It's le patrimoine and toute la clientèle privée. اوكي وفي سؤال ايضا ثاني وصلنا ابرز المهارات هل دائما القطاع المصرفي او القطاع المالي يتطلب شهاده في الاقتصاد او المحاسبه او الفاينانس ان سبيسيفيك لحتى الشخص يبدا مسيره مهنيه في هذا القطاع؟ Absolutely, and above all, what's important is understanding the economic and the macroeconomic issues and also financial skills, of course, yes. Mm-hmm. But that's if you want to be a banker, don't forget that you can have other jobs inside the bank. For example, I'm not a banker, but I serve a bank. Yes. Okay. Okay. You have communication skills are also really important. If you want to be in other, you know, in support directions, not only inside the banking job. Okay. ومن وجهة نظرك أستاذة منى لو بدنا ناخذ North Africa region as a region هل الإقبال من الشباب على استخدام الاي بانكينج سيرفيسز او خدمات الاونلاين بانكينج هل زادت مع بدايه ازمه كورونا او في الاعوام القليله الماضيه؟ I can relate for Moroccan example and we all the banks developed the online services. And they went faster after you know Corona crisis, and it works very well. I think also in Egypt it's something that's going very well.
I'm not sure in other markets as Senegal or less mature markets in Western African countries. But yes, definitely that's a lever. That's a highway of opportunities for youth. Digital skills. As I told you, I have a need. So if someone is interested in the African adventure and he thinks he can, you know, he can fit with the needs, he's welcome. Okay. So هاي دعوة مباشرة منك لكل اللي عم بيشاهدونا هلا بنورث افريكا بيقدروا يتواصلوا مع الست منى طبعا على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي او على لينكدين تحديدا ويتواصلوا معاكي. بس قبل ما ننهي استاذه منى مع حضرتك بدي اترك لك المجال رسالتك لكل الاشخاص والشباب اللي عم بيشاهدونا هلا نصيحتك ورسالتك لهم وخصوصا في ظل الظروف اللي عم بنعيشها يعني حاليا. I would say, first of all, the courage to stick into your values, whatever the context, whatever it could be hard, wherever you are. The courage to be you is a paying choice. Even if it's hard at the beginning, because first of all, you respect yourself and then the others respect you. And when the others respect you, they want to work with you. That's really, really important. Don't take any job like this because you feel bad or you think you need just a wage. The second message is dare to see the things differently in other perspective. Change your perspective. And nowadays the world is listening to all the new ideas, all the new perspective because of the crisis. This crisis made like a kind of setup of every standard. Nobody now can hold the truth or the standard. The standard is not in France or in England or in other countries. You can build the standard. Be a part of building this new standard. That we are doing now here in this group inside the African Adventure. So build your standard and stick to it. أنا بوافقك بالرأي 100% يعني عشان هيك دائما بنقول always يعني look for a career not for a job. Completely. Look for a meaning. Have a meaningful life. 100%. أستاذة منى القادري ممثلة على التجاري وفا بانك بدي أشكرك شكر كتير كبير بالإضافة إلى كونك طبعاً بتمثلي التجاري وفا بانك حضرتك the Secretary General of إنجاز موروكو for your part of the إنجاز family. شكراً كتير لإليك شكراً لوقتك وميرسي بوكو. Thank you very much. That was a privilege. Good luck. Best of luck. Thank you so much. يعطيكي ألف عافية.